Bonjour à tous, c'est Benjito de retour dans une nouvelle vidéo sur la série On ouvre un pack sur la chaîne Benjito Sports Cards. Aujourd'hui, ouverture d'un paquet de baseball de 1989. Il s'agit des Topps Big Baseball Cards. La première série, donc la série 1. Donc 7 cartes par paquet. Donc de 1989, hein, ça date déjà de pas mal de temps. Donc, dans cette collection, vous avez 330 cartes sur 3 séries. Donc, la série 1, il y a 110 cartes, etc. 220 et 330 pour les 3 séries. Donc là, on est sur la série 1. Et donc, on va découvrir ça tout de suite. C'est parti! Allez, on ouvre ces vieux paquets. Découvrir ça ensemble. Quelle tête avaient les cartes de la fin des années 80? Baseball, donc on est chez Topps, hein. Hop, on y arrive, je sais pas si je peux vous les laisser en présentation. Non, ce n'est pas grave, allez, on va pas se battre avec ça. Alors, c'est parti. Alors, ce sont des cartes très colorées. On commence avec un New York Mets. Dev, Magadan, donc carte très colorée, avec un arrière un peu en BD, cartoon. On retrouve les statistiques. Assez drôle, hein, l'arrière quand même, hein. Ça nous change. Hein. Très original et vraiment bien foutu. Donc on a une qualité plutôt typique de l'époque, hein. Cartonnée, très fine. Du coup très fragile à faire attention. L'avant par contre est un peu brillant, légèrement plastifié, mais l'arrière est très carton. Hein. Allez, on continue à regarder un peu ce qu'il y a dans ce set, dans cette collection. Donc Lou Whitaker, donc Tigers. Et à chaque fois ils ont fait une scène avec le joueur, ça c'est drôle. Hein. Ça demande du travail par contre. Hein. On continue avec un joueur des Braves, avec Dick Schofield. Billy Ripken. C'est les Orioles, donc c'est le frère de Carl Ripken Jr., je crois. Hein. Mike Pagliarulo, des Yankees. Pas mal de mettre son portrait en grand et une image de match. Plutôt sympa de le faire comme ça. Ouais, collection originale, hein, franchement. Un petit Brewers pour ma collection personnelle avec Rob Dyr. Et la dernière. Sur le Texas avec Cécile Espy ou Espy. Vraiment drôle leur scène de bande dessinée. Vraiment très bien fait de la part de Topps. Voilà les amis, donc pour cette petite ouverture donc de cartes chez Topps avec. Donc c'est Big Baseball Cards de 1989, donc la première série. Donc vraiment très agréable à ouvrir, que je vous conseille. Voilà les amis, n'hésitez pas à faire un petit tour sur le site internet, à vous abonner à la chaîne YouTube ainsi qu'aux réseaux sociaux. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut !